Donc, si tu as l'impression d'avoir perdu le premier tracé que tu as fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas de couleur. Ils sont sans couleur de fond et de contour parce qu'en fait, ça nous simplifie le travail pour les faire. On n'a pas de parasitage du contour et du fond qui viennent pendant qu'on les fait. Mais en fait, voilà, il suffit de les activer avec la touche majuscule sur les petites cibles et tu peux activer ces trois-là, par exemple, voire même le quatrième, celui qui fait tout le tour de la voiture. Voilà, comme ça, ils s'affichent tous, on les voit. Bon, alors voilà, je vais sélectionner à la fois les quatre formes et l'image. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas cliquer comme dans Photoshop sur les vignettes, il faut utiliser la touche majuscule et cliquer sur la cible. L'image ne veut pas se sélectionner. Pourquoi? Parce qu'elle est verrouillée, je déverrouille. Et donc, j'arrive à sélectionner à la fois l'image et les tracés. Voilà. Si c'est pas joli ça, tous ces petits vecteurs qui partent dans tous les sens, ils sont tellement mignons. Et sexy. Ok, et alors je vais demander de faire un masquage. Objet, masque d'écrêtage créé. Et voilà. Ha. Vous avez fait les trois fenêtres avec l'essuie-glace. Oui, les trois fenêtres. Avec aussi le contour, tout ça, je m'en suis servi pour masquer l'image. J'ai sélectionné le tout et j'ai demandé menu objet, masque d'écrêtage, créer. Résultat, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Quand on fait un masque, c'est une seule forme qui peut masquer. Laquelle a masqué? Celle qui était le plus au-dessus. C'est celle-là, celle qui est soulignée, qui est masque, celle avec l'essuie-glace. C'est celle-là qui masque tout le reste. Donc vous arrivez à ce que j'ai obtenu là, c'est-à-dire ben, un truc complètement foireux. La forme qui faisait le tour du pare-brise de la voiture sert de masque, elle fait apparaître ce qui est visible à travers le pare-brise. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Le problème vient donc du fait que je dois faire en sorte que les quatre formes ici, les trois vitres et le tour de la voiture, servent de masque. On va annuler donc le masque. Ben, soit je fais édition annulée, soit je fais objet, masque d'écrêtage annulé. Objet, masque d'écrêtage annulé, ou alors je vais en arrière juste avant d'avoir fait le masquage, puisque je viens de le faire. Ok. Alors, je vais sélectionner uniquement les quatre vitres et la voiture, le tour de la voiture, mais pas l'image, hein. Uniquement ces quatre-là. Et je vais, et c'est là que ça devient subtil, je vais dire, tiens, tiens, ces quatre tracés ne vont plus faire qu'un seul objet. Et c'est ce qu'on appelle un tracé transparent. Un tracé transparent, objet, tracé transparent, créé. Et voilà, ils ont tous été réunis au même niveau. Oui, parce que les niveaux dans Illustrator, c'est fort important, hein. On empile des objets. Eh bien là, on a quelque chose qui normalement n'est pas possible, c'est-à-dire plusieurs objets au même niveau. Et ça s'appelle un tracé transparent. Vous avez été où, monsieur? C'est donc menu objet, tracé transparent, créé. Alors voilà, je vais enregistrer l'image. Tiens, il ne faudrait pas perdre ça. Hein. Et je vais maintenant tester. Tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe si je sélectionne à la fois ce tracé transparent et l'image et que je demande de faire un masque d'écrêtage? Alors il faut d'abord que je vous dise ce que je n'ai pas encore dit, c'est que le mot tracé transparent est mal choisi. C'est une mauvaise traduction. En réalité, ça devrait s'appeler un tracé composite. C'est d'ailleurs un terme qu'on rencontre parfois en infographie. C'est-à-dire que c'est un tracé, ils sont tous au même niveau, mais il y a plusieurs portions dedans. Donc en anglais, ils appellent ça le compound path, tracé composite, et ils ont traduit en français par tracé transparent. C'est vrai que ça fait des trous, c'est le but. Mais on peut, un trou, c'est une transparence totale. Il n'y a pas, ici, il n'y aura pas de demi-mesure. Soit les choses vont apparaître, soit pas du tout. Donc c'est 0 ou 100% de transparence. Bon, donc sachez-le, ce n'est pas vraiment de la transparence comme vous le connaissez avec différents niveaux de transparence. C'est des trous. Ok, les deux sont sélectionnés, donc avec, évidemment avec les cibles. Et je vais dans le menu Objet, Masque d'écrêtage, Créer. Et là,
Ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné cette fois-ci? Et tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas? Ben parce qu'évidemment, j'ai qu'un seul objet. On masque avec un objet. Et j'ai réuni mes quatre objets, mes quatre tracés en un seul. Et donc, ça fonctionne. OK. Tiens. Est-ce que ça marche chez vous? Bon, chez moi j'ai un petit bug, ou alors c'est moi qui foire. Non, ça va. Je sais pas pourquoi. Non, j'ai dû faire des erreurs. Mais là, ça marche, il n'y a pas de problème. C'était peut-être la carte graphique qui était un peu faiblarde et qui me montrait encore l'image de la voiture comme elle était avant. Mais voilà, et alors si vous allez dans le menu affichage et vous demandez d'afficher le damier de transparence, vous allez voir que c'est vraiment de la transparence dans les vitres. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Et voilà, on a vraiment fait des trous. Super. Affichage, vous pouvez masquer le damier de transparence parce que ça nique les yeux. Je veux dire, ça fait mal aux yeux. OK?